Je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous sommes le 8 novembre. Bon, aujourd'hui, je vais finaliser le mode histoire sur mon hypothèse dièse. C'est la dernière vidéo que je vais faire pour cette rubrique. Ça, c'est la dernière étape. La machine à boule de buzzer. Bon, la difficulté là-dedans, ok, c'est que si jamais vous... vous pognez par malheur le point d'interrogation qui est en bas à droite. Et bien, l'une de ces cases-là, ben vous allez directement dans la machine à boules. Et Buzzer vous éjecte au hasard, soit dans ce coin-ci ou ici. Si par malheur vous tombez ici, ben. Si vous pognez comme case 2, 3, 4, 5, 6, ben vous risquez de perdre toutes vos pièces, toutes vos étoiles. Et si par chance vous pognez la direction opposée, juste avant de descendre vers le bas, il y a un petit passage vers la droite, ben vous êtes c'est votre jour de chance. Dès que vous aurez descendu cette petite pente-là, eh bien, vous pourrez tenter de gagner une, deux ou trois étoiles. Bonus. Oh, un gros 10 pour commencer pour moi. Bon, allons-y, la première étoile est tout en haut à gauche. C'est parti! Bon, ok, 6. Attendez. 6, 3. Bon, ok, si je calcule bien dans mon affaire, j'ai 8. Mais l'étoile est ici. Bon, 1, 2. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. De toute façon, ici, il y a un point d'interrogation. Ça, c'est un canon qui va me ramener direct en bas. Précisément ici. Fait que pour pas l'attraper, ben, je vais aller direct ici. Allez, go, j'allais mettre un item. Allons voir ce qui va se passer. Oh! Je vais jusque là-bas. Et je récolte 10 pièces. Une bonne manière de gagner des pièces. Attends, je frappe pas avec un gros 10 pour commencer. Oh, 3. Elle aussi, voilà. Ok. Bon, ça risque d'être un contre 3. Ouais, c'est ça. Contre Peach. Penny Pincher. Oh, yeah. C'est des pièces à gogo, ça. Tigidou. Ça c'est le fun. Tout.
Merci Mario d'avoir attrapé une pièce rouge. Youhou, 29 pour nous autres. What the tau? Hein, c'est beaucoup. Hein, je commence en force. 43. Oh yeah. Et avec raison. Huit. Autour de Mario. Des phares. Oh! Oh là là! Hey! J'ai zéro! Zéro! Gros zéro! Gros zéro! Oh! Hey! En vidéo en plus. Ah, c'est idiot ça. Hein, j'ai réussi à faire 0.0. Bon, ok. Dommage. Autour de Mario. Un doublé pour lui. Ça lui donne 10 pièces. Il va gagner un autre 10 pièces en plus. Kicking. Tout juste à côté d'étoile. Un comptoir contre moi. Shuffle Shardown. Robert Shardown. Ok. Il faudrait que j'ai ça avec mes jetons de lit. Éjecté. Oups. J'ai carrément raté. Ah, il a réussi à survivre.
Mario va absolument gagner. Ok, je vais y aller. Bon, la machine à sous là. $45 que je gagne, youpi! Gros cash là! Wouh! Je vais essayer de patient et attendre de bon temps. C'est assez, quand même assez facile. Ouh! Gagner des pièces là. What a taux! Attention, ça va être la guerre des étoiles. Tout le monde pogne les petits chiffres avec le dice block. Le double dice block. Hein? Mm. Espérons que là ça va être différent tantôt. Avec mon Waluigi dans le prochain tour. Go! 8! Il y en a jeté un. Ok. Ok. Oh! Ah, ça y est, il est chanceux. Oh, il a gagné 37 de plus. Oh, attention, ça risque d'être dangereux ici. Mario, il y a 100 pièces. Oh là là. Il faut que je me monte à la hauteur, go. Oh, on est 3 gagnés. Daisy, j'ai écrasé puis elle est tombée par après. Faut que je tape contre Mario. Mario va essayer de me rattraper. Reste son camp. Ouf! Il n'y a pas que je suis chanceux. Chanceux sa séquence. Ouf. Mais toi est là. Pas de panique. Croisons les doigts pour que Mario pogne des petits chiffres. Puis ça n'a pas assez.
2. Autour de Mario. Ah, il faut un gros 10 lui aussi. Ben, pas du... Il faut une de justesse. L'étoile est ici. Bon, je suis avec Daisy. Voilà, on a réussi. Il reste 5 tours, attention. C'est Bowser qui arrive. Que va-t-il se passer? Oh, on lui donne une étoile. Oh, Bowser lui donne une étoile. Si je vais là, ça fait 8, 4. Ok, c'est bon. Tapis, je jouais. Oh! 14 pièces. Ah! Pas de chance pour Daisy. 2. Ah, ben, puisque c'est sa cause, elle tient 5 pièces à la place. Plus 3, ça fait 8. Ah, le chanceux.
Ouh, il paye 20 pièces. On est tous contre Mario dans ce jeu. Faut le facile à faire, hein? Faut le facile. J'essaie d'aller vite, mais ça ne fonctionne pas contre moi. Oui. Allez, on reprend un peu d'avantage. Bon, là, c'est à mon tour de jouer. Ah ouais, go. Il faut que je frappe fort. Le voilà, ce que je cherchais. Et voilà. Ça chauffe dans le coin. Ouf. C'est toujours avantageux d'avoir le tuyau doré, ça t'emmène automatiquement l'étoile. Fait que au prochain tour, je t'assure d'avoir une étoile. Qui peut être là, mais là c'est Mario qui va aller le chercher, ça c'est sûr et certain. Alors moi qui décide d'utiliser son champignon, hein. Pour deux fois, non, il va utiliser ça, il va être charge. Au moins l'avantage que j'ai contre lui, c'est qu'il a perdu 20 pièces. Et ça là, ça fait vraiment du bien. Et deux fois que je pogne le x5. Aïe. Hein? C'est vraiment facile de pogner des pièces là-dedans. J'ai gagé 12 pour être sûr de pas me tromper. Si au cas où si je perdais, ben. Eh ben, j'aurais ma quatrième étoile. Encore c'est un default. Oh, pour une deuxième fois. Puis en vidéo 0.0. Zéro, zéro, zéro. Ah, là, cette fois-ci, c'est 0.quelque. 0.8. Hein? T'es sûr de pas te tromper avec la ligne rouge.
À mon tour de jouer. Une quatrième étoile. C'est la joie. Oh! Attention! Et là, l'étoile haut. J'en profite dans ce temps-là. J'ai maximisé mes chances de gagner, fait que c'est ça que je fais. J'ai vu maintenant que la course est à 10 pièces de Daisy et des parties, fait que là, j'ai plus rien à craindre. Alors, on va voir tout juste le nombre de cases requis. Deuxième étoile pour Peach. Troisième étoile assurément. Au prochain tour. Mais ça ne change rien au résultat pour le moment. Ça va être moi qui va l'avoir. C'est la guerre des étoiles. Hein, comme je l'avais dit tantôt. Oh là là. Comment essayer de me rattraper? Oh, il retourne à la même place qu'il était juste avant. Eh bien, quel hasard! Oh, un. 5. Je vais utiliser mon champion de riz. Je peux me le permettre. Ah, on est tous contre Daisy cette fois. Le jeu de jetons. Mario a réussi à survivre à mes jetons. Oh, oups. Mario, il est tough. Ah là là. Perdu Mario, essaie de toffer. Oh, là, il n'a pas réussi. Bon, ça donne des ailes à Daisy. J'ai pas besoin de m'inquiéter. Il me reste encore deux tours.
Comme vous voyez, ils s'amusent à se voler l'un l'autre des objets pour mettre ça sur des cases afin de piéger les adversaires. Là, ils arrivent de voler 20, une case de 20 pièces qu'on pourrait mettre à quelque part sur le tableau. Ben ouais, à Mario. Ouais. Bon, une bataille s'en vient. La moitié des pièces. Donc, je vais juste en gagner 4 dans le fond. Mais elle peut en gagner 13 par contre. Il faut faire attention à ça. C'est ça des fouls. Je devrais gagner ça sans problème. Hey, troisième fois, ça y est, troisième fois le même mini-jeu. En 10 tours. Eh bien, coudonc. C'est merveilleux. Hey, vous avez vu ça? Hey, c'est-tu merveilleux? Deux fois! Deux en trois! Hey, deux en trois! Deux en trois, 0.0. Aïe, donc. Je suis vraiment fort. Oh là là. Je joue avec le feu. Oh, attention, Mario vient de mettre une case piège ici. Ouf, les chanceux là. Oh non. Ça, c'est une étoile magnifique. Et voilà, il fait une étoile. Yes, sir. Là, ça va me donner des ailes. Moi j'ai mal parti ça, mais c'est pas grave si je paye ce mini-jeu là, ça me dérange pas. Oh mes jambes! Ah oui, je t'avais défini, ça sera pas là. Oula! Ah, dommage. Ouais, j'ai mal aux jambes. Ça fait longtemps que j'étais assis. Ça fait 35 minutes. Aïe aïe aïe. Quoi, j'en ai plus pour longtemps. C'est le dernier tour. Autour de Mario. Une bataille contre Mario. Bon, une étoile, ok. Avec deux, ça aurait pas été dangereux. Ça aurait été le facteur déterminant. Vu que lui, il a 31 pièces. Oh, Cutter Crowd, qui va survivre à ça? Oh là là, attention. Ça va pas être facile, ça.
Ah, eh ben. C'est sans histoire, je gagne une étoile de plus. Et la partie est terminée. Ça, c'est sûr et certain. J'ai mené durant tout le long de la partie. Tout ça a commencé avec un mini-jeu à 1 contre 3. C'était un jeu de pièces. Oh! Ça, c'est bien le fun, ça. Vu que je suis loin de l'écran, là, j'ai de la misère à baisser des pitons rapidement, comme que je le fais à l'habitude. Puisque je suis habitué de jouer allongé sur mon lit. Et non à, en indien, comme que je suis en train de faire en ce moment. Bon, ben, je gagne avec 7 étoiles et 23 pièces. Il ne reste plus qu'à finir avec Bowser. 304 points de bonus de plus, waouh! Oh! On attend un petit cling! Donc c'est ça, 140 pour les mini-jeux que j'ai remporté. 1 pour le nombre de pots du tour, 30 pièces pour le plus d'étoiles, 30 pièces pour celui qui est en première place, 23 pièces qui me restaient, 70 stats, vu que j'en avais 27 fois 7, 7 fois 10, ça. Un pour compte pour 10, 10 points de plus, ça veut dire 17 fois 10, 70. Et turn play, bon 10. Oh, j'ai un nouveau. Oh, j'obtiens un nouveau badge de Highborn Rival. Il me fallait 29 000 pour l'obtenir. Bon. Bouahaha. So you're the bug I get to squish Waluigi. Then get ready for another sinky serving from my mini miser. Puis là, les deux autres qui apparaissent vont briser le bâton. Hey! You broke the mini miser? No! With the minimizer broken, Mario and the rest of the crew return to normal size. En cause qu'il vient de briser le minimizer qui faisait ralentir tout le monde. Fait que là, vu qu'il est brisé, ben là tout le monde redevient normal vu que le bâton n'est plus. Ben il n'existe plus dans le fond, là, genre il est brisé. Il marche plus. Hey, this party isn't over yet. It's got an even more secret weapon. Ouais, c'est un arme seconde comme d'habitude, ouais. Behold the Mega Morph Bell. Let me give you a taste of its power. Only the true superstar can put Bowser in its place points. And for all. Ah, ils disent que seulement le vrai superstar peut mettre Bowser à sa place encore une fois. Waluigi is the superstar. Ah. Normalement, il devrait avoir cette étoile, mais c'est maximisé pour 5. Allons-y, c'est pas rien de compliqué. Mais attention pour pas perdre de vie. Je
Bon, faut que j'attende encore un peu. Parce que là, j'ai mal visé. Alors, je vais être patient, je vais être patient. La fin du monde. Une vie d'enlever, là ça va changer. Ah c'est vrai, j'ai oublié. Le dernier round, il est là. Pas grave ça. Pas grave. Mais voilà, j'ai fini. Et c'est ça va faire une histoire parfaite. Sans lendemain. Ah, pure, distinct. No, not my sky crystal. Et ça va former un objet, tout ça. Know that the five sky crystals are together again. What secret with their rival? Ils veulent dire maintenant que les cinq cristaux du ciel sont ensemble. Eh bien, on va découvrir le secret va être révélé. Ça va former un objet, ça va être le Nintendo 3DS. Ben après, non, on pourrait dire le Nintendo DS dans le fond. C'est ce qu'on pourrait dire. Mais ça ressemble plus à ça. You unlock Triangle Twister. J'ai déjà débloqué autrefois. Voilà. How could a bunch of pathetic peewee get out the sky crystal? T'es en train de têter de peewee. Gather the sky crystal to re. Reveal any crazy fun challenge. That's what the old legend is here at the castle. And I was gonna find it out for myself until you come with my plan. J'ai bientôt terminé, Karine, s'il te plaît. Laisse-moi 2 minutes. What's that? You want me to play with you? What weather you are? I guess if you're gonna make a big shot like me, how can I say no? And so your earthy band of
Fighter grew bigger than ever, the more the merrier. From that day forward, Waluigi and the crew enjoyed the biggest party around. Et eux autres s'en peuvent en attendant. Pendant ce temps-là. Eh oui. C'est la fin. Ça, c'est les crédits. Oui, quoi? Est-ce que c'est pressant? Oui, c'est pressant, je m'en vais. Tu t'en vas? Oui. Est-ce que tu dois aller travailler? Non, je m'en vais voir mon chat. Oui, juste un moment, Kathleen, ok? J'ai bientôt fini, Kathleen, ok? Laisse-moi encore 3 petites minutes, là, ça va être... Kathleen, laisse-moi 3 minutes. Bon, c'est à veille d'être fini, là. Quand on voit Special Tanks, ça veut dire que ça va être bientôt fini les crédits. Oui, Kathleen, c'est bientôt terminé, Kathleen. Donc, c'est terminé. Je gagne la figure de Waluigi en terminant le mode d'histoire et son badge.
Bon ben voilà, c'est terminé. J'ai fini ma rubrique pour le mode histoire de My Party DS. Enfin un projet de finaliser. Il y aura autre chose à la place plus tard. J'espère que vous avez apprécié le moment. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à une prochaine fois.